C'est la rentrée des classes. Aujourd'hui, je te propose une idée de lunchbox que tu peux faire en moins de 10 minutes. Voilà de quoi notre lunchbox sera composé. Pour commencer, on va mettre un filet d'huile dans une casserole et puis on va y ajouter un demi-oignon coupé en dés. Pendant que l'oignon est en train de rissoler, on va couper notre prochain ingrédient en cubes. Il s'agit du cornbœuf. On va couper ça en petits morceaux et ensuite on va ajouter ça aussi à la poêle. Cette recette, vous pouvez aussi la faire la veille. Donc le matin, il vous suffira juste de chauffer et puis de le mettre dans le lunchbox. Je vais maintenant ajouter de la macédoine pour un apport en légumes et ensuite on va y ajouter le riz qui est un reste de la veille. Et pour assaisonner tout ça, pas trop de complications, c'est de la sauce soja. Si vous voulez, vous pouvez aussi rectifier avec un peu de sel ou du poivre, mais juste la sauce soja, ça donne assez de goût. À ce stade, le riz est déjà prêt. On va maintenant faire le dressage. Voilà notre lunchbox. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous êtes intéressé, à y jeter un coup d'œil. Je vais alors placer tous les éléments dans le lunchbox. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'ordre. Et puis ici, l'objectif, c'est de pouvoir respecter les apports en nutriments au cours de la journée. Donc, comme vous voyez, un peu de fruits, un peu de légumes, des craquelins, du yaourt et puis aussi le riz qui va pouvoir apporter les glucides au cours de la journée et puis le cornbœuf qui aide avec l'apport en protéines. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple pour vous montrer, mais aussi vous allez réajuster dépendamment de la quantité ou bien en tout cas de l'appétit de votre enfant. Alors ça, c'est une idée et puis je vais en partager encore d'autres sur la page. Donc restez à l'écoute pour pouvoir voir les autres idées de lunchbox que je vais partager dans les jours à venir. J'espère que cette vidéo vous a donné des idées. En tout cas, ben, si ça a pu vous aider, ça me fait vraiment plaisir. À très bientôt pour une autre vidéo de lunchbox ou bien de recettes sur ma page. Bye bye!